Bonjour YouTube. Je le répète une troisième fois. Mais ouais, vous étonnez pas si je suis si j'ai la voix défoncée. J'ai juste fait mon anniversaire hier, voilà. Donc aujourd'hui, lecture un peu spéciale parce que voici un manga qu'on n'a jamais lu en live. Et on va direct attaquer par la fin, genre. Enfin. On va lire les trois derniers chapitres, les trois derniers qui sont sortis. Donc les chapitres 105, 100, 106 et 107. Et du coup voilà, on va lire les chapitres du coup de l'ère des cristaux, ou alors l'end of the lustrous, ou Seki no Kuni pour les vraiment les Kikujap, les puristes et tout. Du coup, qu'est-ce que c'est? Juste un petit rappel de ce qu'est le manga. En gros, ben, c'est un des meilleurs mangas actuels, tout simplement. Ouais, partez ceux qui n'ont pas lu, parce que vous allez vous faire spoil sévère. Hein, on est vraiment sur la fin. Donc ouais, bonne soirée. En gros, on est sur un manga qui a été qui est très court. Donc si vous ne l'avez pas lu, ben, partez le lire. Allez le lire, là, tous ceux du chat qui n'ont pas lu, lisez ça. Il y a 12 tomes à peu près en ce moment qui sont sortis. Là, le dernier chapitre, c'est le 107, le dernier qui est sorti. Et en fait, tout simplement, dans un mois, le dernier chapitre, le chapitre final sort enfin. Sachant que L'ère des cristaux, c'est un manga qui a une publication très compliquée, avec beaucoup de pauses, des pauses à la Miura, quoi, genre des pauses d'un an et tout. Genre à la fin, tout le monde attendait à l'agonie, quoi. Et donc voilà, le manga va enfin se terminer le mois prochain, avec le 108e et ultime chapitre. Et donc voilà, c'est grandiose, il vous reste un mois pour vous mettre à jour et vivre l'histoire en lisant ce dernier chapitre en direct. Dernier chapitre d'un des meilleurs mangas des 10 dernières années. Large. C'est juste trop exceptionnel. Bref. Je pense que je ferai sûrement une vidéo là-dessus, un jour, sur le manga. Parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable. Voilà. Bon, on va se lire ça, du coup. Hop. Allez, c'est parti. Hop. J'étais pas sûr d'avoir lu le 105. Alors on va le lire, le relire. Je crois que je l'ai lu. Ah merde, non. Donc en gros, pour vous résumer, résumé des épisodes précédents, tout le monde est mort. Sauf le personnage principal qui parle à des cailloux. Voilà. Le soleil s'agrandit et engloutit Mercure. La température de la Terre semble augmenter de manière drastique. Parce que beaucoup de temps s'est passé. Le soleil entre en supernova. Enfin, en géante rouge. Et dans la fin de sa vie. Il fait super chaud sur Terre, il n'y a même plus d'eau, ni rien. Toute vie va disparaître. Ah, mais attends. Je vais lire le chapitre d'avant, au cas où. Parce que je sais plus où j'en étais. Vous êtes tous horribles. Attends. Ah oui, c'est le moment où ils discutaient, ok, d'accord. Ouais, c'était trop bien. Nous sommes au paradis.
En vrai, c'est tellement magnifique. Le temps Mercure sera rebondi par le Soleil. Ouais, ok, j'avais lu tout ça. Et ah oui, et puis ils vont se casser. Bref, je vais faire quelque chose pour le Soleil, je ne peux pas. J'ai manqué d'opportunités pour utiliser mes capacités, donc ils ont commencé à se dégrader, moi aussi. Parce que partir sans faire d'histoire, eh bien, nous reverrons et nous oublierons tout. J'aurais jamais pensé voir la fin de cette planète. Ah oui, c'est le fameux, ouais. On dirait que ça a été fabriqué sur la Lune. Ouais, voilà, c'était un truc qui a été programmé pour faire un dernier voyage. Pour faire un dernier voyage. Justement, pour. Enfin, genre. Si la planète explosait, quoi, grosso modo. Pour qu'il puisse se barrer. Hier, j'ai une idée, je voulais essayer de créer une chanson avec tout le monde. Ah oui, c'est vrai que c'était trop beau, ça aussi. Tu ne viens pas, n'est-ce pas? Je vais rester. Ouais, genre, c'est ça. Je me souviens que je m'en étais arrêté là. Voilà, c'est ça le dernier chapitre que j'ai lu. Du coup, maintenant, c'est la suite. Parce que je suis un être situé quelque part entre les humains et les nouvelles formes de vie inorganiques, il existe en moi des traces d'humanité. Le moi et l'humanité amalgamés en moi cesseront tous deux ici. Ensuite, le plan visant à éradiquer l'humanité pour lequel le professeur Adamant et les Lunariens ont travaillé pendant des éons sera accompli. Je ne veux pas te quitter, mais c'est là que nos chemins se séparent. Si je comprends bien, mon frère et les Lunariens te disent d'oublier tes devoirs et de monter à bord du navire. Je parie que maman l'aurait fait aussi. Mais il est difficile de dire que le maniaque l'aurait fait. Mais quand même, ils ont préparé ce navire et se sont assurés qu'ils me trouvent. Donc ça doit signifier que... Attends, hein, est-ce que j'ai été trompé? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont eu? De toute façon, de leur point de vue, il est peu probable que tu puisses redonner la vie à l'humanité. En d'autres termes, ta mission est ici accomplie. Ta mission ici est accomplie. Je veux dire, tu sais mieux que quiconque à quel point leur plan était précisément calculé, n'est-ce pas? Ils étaient bons par nature, par conséquent, leur mélancolie aigre-douce a persisté. Ce navire est simplement la preuve qu'ils ont placé leurs préoccupations pour moi en premier. Je comprends le professeur clairement et attentivement. Il est de mon devoir de consumer l'humanité et de mettre fin à toute souffrance. C'est le seul cadeau que nous offrirons à la nouvelle vie. Ils ont tissé ce beau plan pour une éternité et j'aimerais le mener à bien. C'est juste hypothétique, mais si nous élevions l'aspect humain en toi avec beaucoup d'attention, penses-tu qu'il deviendrait bienveillant? Allez, faisons-le. Petit, je vous suis vraiment reconnaissant à tous. Attends, merde. Toc. Ouais, comme ça. Au fil de notre conversation, j'en suis venu à croire que c'était une autre option. Cependant, parce que les humains sont des créatures si complexes et bon. Avec bonté et cruauté, sagesse et folie, beauté et laideur, tout entremêlé, nous ne pouvons être, nous, pou, nous, nous pouvons,
Nous pouvons seulement être sûrs que leurs désirs sans fin causeront des dommages imprévisibles à d'autres créatures. Ça me ferait vraiment mal si je finissais par vous faire du mal. J'ai confiance en la capacité de Pitipat. Pitapat. Prendre soin de vous tous et à partir de maintenant. Mais tu n'as pas fini de nous raconter cette histoire, je veux savoir ce qui s'y passe. Eh bien, je suis désolé. Prends soin de toi. Tout est fini maintenant. Je n'ai jamais ressenti un soulagement comme celui-là auparavant. Oui, tout ira bien. Tu as moi, l'humanité. Tu es une chose redoutable, mais ne t'inquiète pas. Jusqu'au tout dernier moment, je serai avec toi. Putain, la planche de Zinzin. C'est juste un truc de fou, ce manga. Genre vraiment, c'est juste trop beau, genre le style est parfait. Non, vraiment, c'est une singerie, ce manga. Il faut choisir une destination. Avons-nous vraiment dû le laisser derrière? C'était son choix, basé sur sa propre logique, et il est inutile de supplier ou de négocier avec Dieu. Surtout avec le peu de temps qu'il nous restait. Mais quand même, dire au revoir fait juste partie de la vie, nous devons respecter sa volonté. Oui, mais quand même, il n'y a rien que de plus que je puisse faire. Vous avez tous les deux raison. Ah mais lui, c'est la petite graine qu'il a récupérée à la fin. C'est une intelligence artificielle ancienne avec des performances éternelles. Je savais que je vais vous faire confiance à mes propres décisions. Que ce corps, le mien, vole haut, vole libre. Regardez frère, aujourd'hui, avec ce noyau fort que maman m'a donné. What? Je comprends rien. Ah, il revient. Te conduire vers un autre endroit, préservé de toute influence humaine. Je te le promets. Ah ok, il lui retire son... Je fais confiance. Bon voyage. Est-ce que ça va ? Qui fait ça. Donc cette partie spéciale de lui, c'est tellement transparent, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Je pensais que je ne pouvais rien faire, mais je l'ai fait. Je me demande si le maître serait fier de moi. J'espère pouvoir revoir tout le monde. Je me sens léger. Putain, c'est... Petit à petit, attends, c'est génial, petit à petit elle redevient fausse. Les pages elles sont incroyables. Tellement léger. Tout à l'heure j'ai entendu le son d'un feu s'éteignant. C'était la mort du système solaire. Les gars, prions tous pour lui et les humains. Qu'est-ce que c'est? Ce coup, c'est notre plus petit frère. Quelque chose à vous dire tous. Quand je suis retourné sur Terre, j'ai passé les commandes du vaisseau en mode manuel pour augmenter notre puissance de sortie. Il semble que nous volions dans cette direction depuis. Et
Je pense que nous avons dépassé la planète la plus optimale qui avait été préparée pour nous. Nous n'avons pas assez d'énergie pour faire demi-tour. En fait, nous n'en avons plus du tout. Nous allons atterrir en urgence quelque part près de cette planète. D'accord. Je sais pas si cette planète est sûre, mais je vais la vérifier. Je vais la vérifier pour vous. Attendez. Je vais voir si c'est un environnement auquel les insectes et les plantes peuvent s'adapter, ce genre de choses. What? Wow. Ok. Ok, voilà, c'est le dernier chapitre. Ok. Bon bah. Plus qu'un. En vrai c'est. Il y a des pages qui étaient juste incroyables là, genre. C'est un truc de fou. Plus que le dernier chapitre, je sais pas comment ça va se finir. Mais la mort, entre guillemets, de... Ouais, la mort de Faust, elle est incroyable. Genre... où tu la vois partir petit à petit. Non, c'était énorme. Genre, vraiment, c'était... Graphiquement, tu vois, c'était incroyable. Enchaînement de planches... Juste de planches, une par une, c'est identique. Énorme, énorme. Bon. On va arrêter le stream ici. Parce que je suis éclaté, là. Je suis vraiment fatigué de fou. J'ai mal à la gorge. Bref. Mais au moins, comme ça, on est prêt pour le dernier chapitre. Mais en tout cas, ouais, putain, quel manga de fou. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... qui sont là parce que c'est un manga qui est pas vraiment connu, hyper, enfin si, il est quand même connu quand même, mais je pense qu'il est peut-être pas lu par tout le monde, mais voilà, c'est pas grave, on ferait sûrement une vidéo un jour. Il semble être arrivé sur une planète pleine de vie, justement, en fait c'est une qui, je pense, avoir une très grande plus-value, une œuvre qui va avoir une très grande plus-value à la relecture. Ouais, je pense qu'il va y avoir peut-être un espèce de cycle ou un truc comme ça. Non, en vrai c'était incroyable. J'ai vraiment pris un truc dans la gueule là, genre. Il y a des doubles pages, je m'en remets pas. Hein. Vraiment la mort de Fosse, mais c'est. C'est incroyable. Bref. Hâte d'être dans un mois pour finir. Visuellement, c'est extraordinaire. Les planches sont touchées par la grâce. Mais vraiment. Et l'enchaînement de planches avec Fosse. Mais... Laisse tomber. C'est trop. C'est trop grave d'être au niveau comme ça. Non, vraiment, la dinguerie. Bon. Je vais vous laisser là, du coup. Au revoir YouTube, au revoir le chat, au revoir le stream, au revoir tout ça. Je vais me reposer, faire une bonne nuit. J'ai dormi 3 heures la nuit d'avant. En plus, je suis allé nager là tout à l'heure, laisse tomber. J'étais dans l'eau, ça remuait, j'étais... J'ai fait quand même 2000 mètres, mais... J'étais dans le mal. Donc bref. Bah, allez, on y va. Bon anniversaire et bon repos. Merci. Merci pour ton premier message dans le chat. Le message qu'il fallait. On va conclure là-dessus. Allez. Bah bonne nuit. Hein. Bonne nuit. À jeudi prochain. Je serai en meilleur état, je pense. Et... encore un nouveau message sur le chat. Petite raquette. Et puis à la prochaine. Hein. Bonjour, t'es un peu en retard là. ça va, je suis en pleine forme. Bref. Bon allez. Du coup, au revoir YouTube.
La prochaine. Et on se retrouve pour le dernier chapitre de l'ère des cristaux dans un mois, là. Je crois qu'il sort je sais plus quel jour il sort exactement, mais il sort fin avril, je crois. Allez, salut!